Je suis Mademoiselle Gaëlle Biakop, auteure scénariste de Échec et Maths. Échec et Maths, c'est un feuilleton qui regroupe à la fois la romance, l'amour d'une mère pour ses enfants, l'avidité de certaines personnes dans la société. Un registre policier également. En fait, et dans Échec et Maths, nous voulons mettre en scène, mettre la lumière sur une famille comme toutes les autres, une famille riche, qui fait des envieux, qui est adulée, qui est admirée, mais qui pourtant cache de lourds secrets. Et ces secrets-là vont être révélés après la mort d'une des leurs. Et le feuilleton, en fait, montre l'hypocrisie de notre société, montre la sournoiserie de certaines personnes, particulièrement des personnes aisées, des personnes publiques. Échec et Maths, pour moi, c'est une histoire de passion, une histoire d'amour, une histoire de vérité. Et j'ai essayé de sortir un peu du contexte de la plupart des séries que nous offre le cinéma camerounais, qui sont généralement un peu plus centrées sur la sorcellerie, les faits de ce genre de notre société. Je voulais mettre en exergue l'hypocrisie de certaines personnes dans notre société, la force de notre police, malgré le manque de matériel que nous possédons et la capacité à certaines personnes de faire ce qui doit être fait. Donc en fait, moi je suis persuadée que le feuilleton peut et ira au-delà des frontières parce que nous avons quand même une équipe technique qui est assez solide, des acteurs qui ont un très grand palmarès. Je pense que si nous faisons notre travail comme il le faut, si nous mettons tout notre cœur, ce sera quelque chose de merveilleux. William, tu sais quoi? Je ne te supporte plus. Tu as dépassé les bornes. Ah oui? Parce que toi, tu n'y es pour rien. Tout ce qui compte pour toi, c'est ton travail. Je suis comme un meuble dans cette maison. Et en plus, un meuble mérite un peu plus d'attention. Je travaille parce que je dois supporter les frais de tes caprices. Le travail. Toujours le travail. C'était quand la dernière fois que toi et moi nous avons fait l'amour? Parce que tu penses vraiment que j'ai encore envie de toi, c'est ça? Après ce que tu m'as fait? Sache que si tu es encore dans cette maison, c'est uniquement à cause de ma fille. William, tout peut redevenir comme avant. Rien ne peut plus devenir comme avant. Tu as trahi ma confiance, tu as couché avec mon frère et cependant des années, vous étiez des amants. En fait, je ne t'aime plus, tu m'exècres. Et si je n'ai rien dit à Charlotte, c'est uniquement parce que je ne veux pas qu'elle souffre. Et toi, tu restes ici et tu la boucles.